Bonjour à tous, bienvenue au Dynamite Game de Parthenay. Donc mon ami Greg, salut. Qui est installé depuis un petit bout de temps d'ailleurs. Ça fait combien de temps que tu es installé, Greg? Ouais, ça fait depuis octobre 2009, là, ça fait, j'entame la 11e année, là, désormais. 11e année, donc on vous dit que les magasins Dynamite Game sont des spécialistes et sont des passionnés, ils sont capables de vous orienter au mieux parce que au bout de 11 ans, tu m'as dit 11 ans, 12 ans, combien? 11 ans, bientôt, là, au mois d'octobre. Donc, 11 ans, et t'as commencé à jouer, t'étais tout bonhomme. J'ai commencé sur les bornes d'arcade dans les cafés, puis, et puis enchaîné après sur les Nintendo NES, après avec le Zelda 2. Ouais, d'ailleurs, on pouvait l'entendre en fond, on a une petite musique de Mario, c'est une ambiance vraiment sympathique. Vous voyez, le magasin fait environ une trentaine de mètres carrés, c'est ça? Ouais, c'est ça, un peu moins, donc plus. On va dire 30 mètres carrés au moins. En fait, vous pouvez on peut pas descendre, mais on fera un petit tour dans la carte tout à l'heure dans la vidéo, vous verrez. Je vais vous filmer l'extérieur du magasin pour situer un peu le magasin. Vous allez voir, au niveau accueil, c'est top. Greg s'y connaît très très bien, ça fait longtemps qu'il est. Qui est dans le monde du jeu vidéo. D'ailleurs, qu'est-ce que tu as fait, hein? T'as prévu pour la sortie de la PS5 ou de la... Ouais, PS5, donc PS5, Xbox Series X. Bah ouais, tu peux pas dire grand-chose, malheureusement, c'est toujours le même boxon sur la PS5 et sur la Xbox One Series X. C'est pas évident à trouver, il y a des ruptures partout. Ils ont croisé fichiers pour pas qu'il y ait de vente inopinée sur internet. On a déjà des bons de réservation qu'on a mis sur Groupon à 1000 euros la console. Non, mais c'est n'importe quoi. S'il vous plaît, top. Laissez de la console aux passionnés, aux gens qui veulent de la console. Ça sert à rien d'essayer de faire du business avec ça. Surtout que nos marges à nous, elles sont zéro patate. Donc, on vous invite tous à venir au magasin de Greg qui situe l'adresse. 17 Place du Donjon, 79-200 Parthenay. Le numéro, voilà. On en profite, 05 49 71 15 95. On va tout faire pour vous avoir un max de PS5 et d'Xbox One Series. Après, pour cette fin d'année, ça me semble un peu compliqué. Tous les jours, on regarde, on essaie de retrouver des consoles un maximum. Mais c'est vrai que pour cette fin d'année, on verra. Ça va être compliqué, mais ça me semble un peu compliqué. Ouais, ça va être compliqué. Le Covid, le facteur du Covid, etc. Donc là, forcément, le Covid, obligatoirement, vous portez du masque obligatoire en magasin. Donc là, on l'a posé, on se connaît depuis un petit bout de temps déjà. Donc on essaye de s'appeler de temps en temps. Donc on va faire un petit tour de magasin, les amis. Un petit tour d'extérieur de magasin. Allez, c'est parti. Alors, mon ami Greg, donc voilà, tu veux nous faire tester un petit... Je connais pas du tout, honnêtement, Creepy Road, c'est un petit run and gun qui était sorti
dans l'historique en 96, ça a été réédité cette année. Ouais. Donc c'est un petit run and gun, c'est un petit jeu de flingue en plateforme. D'accord. C'est un shoot quoi. Ouais, un petit côté Metal Slug en fait. D'accord, ok. Plein d'armes. Et vous allez voir au niveau des personnages, ça part un peu dans tous les sens. D'accord. Au niveau prix, on est parti sur quoi au niveau price? On est sur du 30 euros, 29,90. Même pas, on est à moins de 30 euros. C'est un petit jeu qui est à moins de 30 euros. 29,90. D'accord, okay. Ah, c'est très cartoonesque apparemment. Ouais, c'est shading quoi. Côté, hein. D'accord. Ils en font de plus en plus. Hein. Je pense qu'à chaque fois qu'il y a une console qui arrive en fin de vie, ils font des petits jeux assez fun. Ah oui, ils ont pas assez d'argent pour faire plus de doigts, parce que le personnage il a que 4 doigts là, tu vois, avec le pouce. Il manque des doigts, il est routier, il y a beaucoup dans sa tête. On va traverser la route. Ah. Ah, et l'ambiance est sympa, j'aime beaucoup. Ah mon dieu, un os. Ah oui. Ah ouais, c'est très cartoonesque. Ah oui, complètement. Ok. Et là, l'histoire commence. Yes, fun. C'est parti. Ça ressemble un peu, c'est dans la lignée des Street of Rage, je trouve, en dessin animé. Ouais, ou un en, peu, ouais. C'est un beat'em all, mais là, c'est peut-être pas un beat'em all. Bah, c'est un shotgun, un peu comme Metal Slug, non? C'est un petit côté Metal Slug, quand même. Ah, Ouais, plein d'armes, ça pète dans tous les sens. Et là, au niveau des personnages, c'est très déluré. D'accord. Je vous en dis pas plus. Ouais, faut pas trop nous sabrer, nous spoiler. Yes. Ah ouais, mais c'est relativement bien fait quand même. Hein. Grenade. Ah oui, non mais c'est carrément du Metal Slug. Ok, c'est des zombies et des. Ouais, au début on commençait avec un vieux. C'est 4, excellent. Avec un vieux Colt, pardon. Ouais, un vieux Colt 45, ouais. Ouais, là on va commencer à récupérer du fusil à pompe. Ah oui, t'indiques. Des possibilités, ok, pouvoir changer d'arme. C'est excellent. Ah non, s'il fait du vélo, donc ils sont tous évadés d'un cirque. D'accord. Caisse de grenade. Oui, t'as aussi. Ah oui, d'accord, avec L2 tu peux balancer des grenades. Fin de niveau. Ah, t'es déjà à la fin du niveau là? Non. Ouais, c'est le début en fait, c'est entrecoupé de petites phases de mini-boss. Bon, là c'est vraiment le début, et après on a des vrais boss effectivement à la fin. D'accord, ok, ça n'a pas l'air évident parce que si tous les ennemis viennent en même temps. Ouais, c'est un petit peu chaud, mais là encore ça va, c'est le début. Ok, par contre le boss là, c'était l'ours à vélo là sur son. Non, c'est juste un des petits personnages, mais. D'accord, ok. Là c'est juste histoire de se préparer à avoir du vrai boss derrière. D'accord. Voilà, donc là on vient passer le checkpoint. Donc il y a toute la cour, ouais. La basse-cour. Tu vois, c'est comme ce qu'on disait quand j'étais voir Damien au magasin de La Roche. Et en fait, bah, mieux vaut un bon petit jeu en 2D qu'un mauvais jeu en 3D. Parce qu'il y a des fois des productions en 3D qui sont vraiment minables. Mais minables. Et tous les clients seront à voir. Donc écoutez le conseil de votre professionnel. Ils vous diront, forcément, on n'a pas forcément tous les mêmes goûts. Mais on vous oriente au mieux déjà. Donc c'est pas pour rien. Boss, Arnaud, boss. Ah, ça l'est. Ça y est, là, tu es au premier boss. Il est disponible depuis quand alors ce petit jeu? Alors depuis quoi? Depuis 2 mois normalement, je crois que c'est 2 mois, ouais. D'accord. Ça fait pas longtemps. Ah ouais, d'accord. T'as des fermiers un peu zombies en fait. Ouais, c'est ça. Ah, tu vois, les fameuses vaches. Enfin, les vaches avec les sulfatos. Bon, ah ouais. Faut les minguer parce que... Bah ouais, sinon... Ah, sinon c'est assez compliqué quoi. Excellent. Ouf. Voilà, il y a du monde. Alors après, tu vois, il y a les mouettes qui te lâchent des espadons. Là, je suis mort. C'est quoi ce jeu? N'importe quoi. C'est pire en pire. C'est bien, c'est que tu peux passer un bon moment. Ouais, spécial coup de poing, c'est une sorte de punch. Tu peux changer d'arme, en fait. Tu peux switcher avec les touches latérales, c'est ça? Ouais, en fait, c'est ça. Tu mets un petit coup de R1 et tu changes d'arme. D'accord. Ok. Donc t'as des lance-flammes, tu vas avoir là on va avoir dans 2 secondes, ce qui va être très pratique, avoir un lance-missile. Ah ouais. Attention l'espadon. Ah ouais. Ouais, c'est relativement fun. Par contre, le bazooka c'est pour un temps déterminé, tu peux pas l'avoir tout le long du jeu. Ça, t'as quelques Ah, est tellement efficace, c'est normal. Ça peut te sortir de. Donc là on a le lance-flamme. Ah, lance-flamme, excellent. Donc, ça va être très pratique. Et bien voilà, on a fait le tour du magasin, on a pu tester, donc c'était quoi le nom du jeu déjà? Alors, Creepy Road. Creepy Road, donc bon petit jeu, un petit jeu indé, hein, c'est un jeu indépendant comme Indivisible. Ouais, c'est ça, c'est un petit jeu indé, j'en ai encore en stock quelques-uns.
Malheureusement, ça va devenir de plus en plus compliqué à trouver, mais on en trouve encore. Voilà. Ça vous dit. Donc, si vous êtes intéressé par le produit, vous le trouverez chez Greg. Bon, moi, j'avoue que je ne l'ai pas en magasin, ce titre-là. Je ne l'ai pas fait. On a des fois des bons titres. Ouais, à la limite, je viendrai en acheter, tu me l'expédieras. Donc, on s'échange un peu des conseils, forcément, entre dynamites. Toujours de passionné à passionné. Donc, rappelle-nous tes horaires, mon Greg. Alors, un peu comme tous les dynamites, de 10h à 12h30 et de 14h à 19h. Du mardi au samedi. Voilà, donc dimanche et lundi, repos, sauf les jours de fête, je suppose pour Noël, ouais, tu fais peut-être des choses particulières, des animations particulières. Après, on essaie d'ouvrir un maximum, même les jours de Noël, même les week-ends, on essaie d'ouvrir un maximum. Bon, on se garde un petit peu de temps en famille quand même, mais ah oui, c'est important. On est là pour la clientèle, pour les cadeaux de dernière minute, on est là, et aussi sur le Facebook du magasin. Très important, on vous mettra en bas. Dynamic Game Partenay, ouais, voilà. Donc n'hésitez pas à lui envoyer des messages. Je pense que le retour de réponse est assez rapide. Je vois qu'il est quasiment tout le temps dessus. Donc entre Dynamite, on s'échange pas mal d'infos. Donc voilà, on vous invite tous à venir au magasin Partenay avec mon ami Gregos. Donc n'oubliez pas le port du masque obligatoire pendant le Covid. Ouais, à mon avis, on en a jusqu'à l'année prochaine. De toute façon, jusqu'à l'année prochaine, mais bientôt, ce sera terminé. Ne vous inquiétez pas. Bon, courage. Le confinement, bah oui, ça a bien apporté pour les jeux vidéo. Donc on va espérer que vous allez bien. Portez-vous bien. On vous dit à très bientôt. Allez, bientôt, bye bye. Ciao, au revoir. Salut. Faut être beau, faut essayer d'être beau. Attention. 3, 2, 1. Il touche le jeu déjà, mais. C'est rare pourtant, c'est rare. Tu vas chercher une chaise. T'es pas habitué à. T'es pas habitué à rester, de... à rester assis toute la journée. Alors, t'as une vieille chaise des années 30. Un petit tabouret. Ça va, c'est fun. Des vieux commerçants. Ouais, on fait partie des vieux commerçants. Hein. On fait partie des rétros maintenant. Je crois qu'on a le même. Ouais, t'as une belle manette, en tout cas, fraîche. Elle est magnifique. Ouais, c'est une 500 mm. Ah oui, je me disais aussi. La garde. Et la lumière. Là, il faut que tu te rapproches du cadrage, je ne vois pas. Ah là, voilà. Ah là, c'est magnifique, t'es tout beau, tu rigoles quoi. C'est peut-être du perso. C'est le film de cul des années 80. Je l'ai enregistré. Hein. Et je te dis pas que j'efface rien, c'est pas sûr. Hein. Excellent. La vache Mika. Oh là là. On n'a pas le droit de citer de marque. Ah, pardon. Donc on peut en citer trois. Donc il y a le conso piqué qui tombe du ciel. Et on peut citer Dynamic Games, hein, c'est bon, on va l'exploiter. Avec l'âge, tu t'es pas amélioré. C'est pire en pire. Pauvre. Je pense que je vais te laisser, je vais te laisser. Ok, ça marche. T'as devait ça dans des caisses en réserve. Attends, tu rigoles. Si j'avais pas de place, on me présentait. Attends, non mais regardez les jeux. Non, c'est un truc de fou, quoi, la qualité des jeux. Par contre, on me demandait s'il y avait le PS Super NES sur le tour. Je sortais les petites caisses de la réserve. Ouais. Moi, je sortais les tiroirs complets. Et bon, maintenant, je me sens pas. J'ai enlevé les manettes Dreamcast, les manettes PS. Aïe, ça se vend plus les manettes Dreamcast ?